Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim. Et aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Zachée grimpe à un arbre ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Jean chapitre 4, le verset 8. « Dieu est amour ». Regarde, c'est Zachée ici. Zachée est très petit. Il n'est pas très grand, mais il a une grande maison. J'aimerais que Jésus vienne chez moi, dit Zachée. Mais souvent je fais des bêtises. Peut-être Jésus ne m'aimera pas, pensait Zachée. Penses-tu que Jésus aime les enfants? Bien sûr, Jésus aime tous les enfants. Il aime aussi tous les grands. Penses-tu que Jésus aimerait visiter Zachée dans sa maison? Bien sûr! Il ne manquera pas l'occasion de le faire. Jésus vient aujourd'hui par ici, dit Zachée. J'irai le voir. Donc à tout à l'heure, je vais voir Jésus. En ville, il y avait une grande foule et les gens criaient « Jésus arrive! Jésus arrive !» Mais Zachée est trop petit. Zachée se met sur la pointe des pieds. Il saute un peu partout, sans arriver à voir Jésus. Pauvre Zachée, il veut tellement voir Jésus. Alors Zachée réfléchit rapidement à la situation. Voici un arbre, dit-il. Je grimperai et certainement je verrai Jésus lorsqu'il passera ici. Grimpe, Zachée, grimpe! Avez-vous vu jusqu'où Zachée a grimpé dans l'arbre? Regarde, Zachée, regarde! Que vois-tu? Zachée voit Jésus se rapprochant de lui et une grande foule le suit. Jésus marche, marche jusqu'à la hauteur de l'arbre où Zachée est haut perché. Et puis il s'arrête. Il regarde vers lui. Jésus a vu Zachée et lui dit « Salut Zachée !» Jésus lui fit un large sourire et Zachée fit de même. « Zachée, dit Jésus, descends, descends, car aujourd'hui je dois aller chez toi. » « Youpi, Jésus va chez Zachée !» Alors Zachée descend rapidement de l'arbre et Jésus alla chez lui dans sa grande maison. Bien que Zachée ne faisait pas toujours ce qui est bien, Jésus n'a jamais cessé de l'aimer. Il y a un petit chant qui nous rappelle cette belle histoire. Veux-tu le chanter avec moi? Zachée était un tout petit homme brun. Il monta dans un grand sycomore pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passa dans ses lieux, il leva les yeux et dit « Zachée, descends, chez toi je demeure aujourd'hui, chez toi je demeure aujourd'hui. » Zachée était un tout petit homme brun. Il monta dans un grand sycomore pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passa dans ses lieux, il leva les yeux et dit « Zachée, descends, chez toi je demeure aujourd'hui, chez toi je demeure aujourd'hui. » Prions. Tendre Père, merci de m'aimer quand je ne le mérite pas. Aide-moi à toujours être bon, au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, peu importe ce que nous faisons, Jésus continuera à nous aimer. Au revoir et à bientôt. Chers enfants, bonjour. C'est Lorena ici et je vous raconterai aujourd'hui une histoire impressionnante qui s'appelle « Lazare sort ». Notre verset à mémoriser dit comme ça. Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il se trouve dans Jean 11, 5. Aujourd'hui, nous apprenons que Jésus fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Dis-moi, une personne que tu aimes a-t-elle déjà été malade?
malade au point de mourir. Tu sais, la Bible raconte l'histoire des deux sœurs qui ne voulaient pas que leur frère meure. Marie regarda sa sœur Marthe, la peur dans les yeux. « Je voudrais tellement que Jésus soit ici, » dit-elle doucement. « Il pourrait guérir notre frère Lazare. » Ils décidèrent d'envoyer un serviteur donner un message à Jésus pour lui demander de venir les aider. Marie et Marthe restèrent assises près du lit de leur frère malade. Elles firent vraiment tout ce qu'elles purent pour aider Lazare, mais rien ne semblait les soulager, et bientôt Lazare mourut. Le serviteur de Marthe trouva finalement Jésus et lui dit que son ami Lazare était très gravement malade. Mais Jésus ne se dépêcha pas pour aller dans la maison de Lazare. Il resta encore dans la ville où il était pendant 2 jours. Finalement, Jésus dit à ses disciples, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là-bas. Vous aurez maintenant une nouvelle occasion de croire en moi. » Jésus et ses disciples prirent la route qui menait chez Lazare. Lorsqu'il arriva, Marthe s'écria, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !» Jésus parla gentiment à Marthe, « Ton frère ressuscitera. Où l'avez-vous mis ?» Marie et Marthe conduisirent Jésus à la caverne où Lazare avait été déposé. Une grande pierre bloquait l'entrée. Jésus s'éteint devant l'entrée et pleura. « Regardez combien il aimait Lazare !» murmura quelqu'un. Soudain, Jésus ordonna « Roulez la pierre !»« Seigneur !» s'exclama Marthe. « Lazare est mort depuis 4 jours !» Mais elle commanda quand même au serviteur de rouler la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel. « Père, pria-t-il, je te remercie parce que tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis ces choses à haute voix parce que je désire que tous ceux qui sont ici comprennent que tu m'as envoyé. » Alors Jésus cria, « Lazare, sors !» Tout le monde sursauta. « Que faisait Jésus ? Regardez !» cria quelqu'un en montrant la caverne. Lazare sortit de la caverne comme Jésus le lui avait commandé. Lazare était ressuscité. Marie et Marthe coururent vers Lazare en pleurant de joie. Les disciples comprirent finalement pourquoi Jésus ne s'était pas empressé d'aller guérir Lazare. Il avait eu un plan tout spécial pour montrer à tous qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Jésus a aussi un plan pour notre vie. Nous pouvons avoir confiance qu'il fera ce qu'il y a de mieux pour nous. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Rendez-vous avec Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Lisa rentra de l'école, c'était vendredi. Elle sentit à nouveau cette bonne odeur. Maman faisait du pain pour le sabbat. Lisa se lava les mains et aida maman à terminer la préparation du repas du sabbat. Lisa aimait le sabbat. Cette semaine, après l'église, ils allaient manger près d'une mare à canards, puis faire une marche dans les bois. Lisa avait de la peine à attendre. Dans le récit d'aujourd'hui, Jésus et ses disciples faisaient aussi une marche le sabbat. Joins-toi à eux. Jésus aimait le sabbat. Il aimait passer du temps avec ses amis et parler avec eux de l'amour de son Père, le Dieu du ciel. Il aimait aider les personnes malades ou tristes à se sentir mieux. Un sabbat, Jésus et ses disciples revenaient de l'église. Ils traversaient un champ de blé. Les épis se balançaient dans la brise tiède. L'odeur leur faisait penser à du pain cuisant dans le four. Jésus et les disciples avaient très faim. En ce temps-là, les gens avaient la permission de manger des produits d'une ferme. S'ils avaient faim et qu'ils traversaient un champ ou une vigne, ils pouvaient cueillir quelques grappes ou quelques épis de blé. Les disciples de Jésus cueillirent donc quelques épis, les roulèrent entre leurs mains à plusieurs reprises. Quand ils n'eurent plus dans leurs mains que les petits grains, ils les lancèrent dans leur bouche. Les grains croquants avaient bon goût.
Mais tout le monde n'était pas content. Quelques pharisiens trouvèrent que les disciples avaient mal agi. Ils dirent à Jésus, « Quand tes disciples ont ramassé des épis et qu'ils les ont frottés dans leurs mains pour en faire sortir les grains, c'était comme s'ils travaillaient. Ils ont donc transgressé le sabbat. » Les pharisiens avaient pris le merveilleux commandement du sabbat et l'avaient arrangé à leur façon. Ils y avaient ajouté toutes sortes de règles qui faisaient du sabbat un fardeau. Dieu désirait que le sabbat soit une journée spéciale pour que les gens aient le plaisir d'apprendre à connaître son amour. Mais au lieu de cela, bien des gens n'aimaient pas du tout le sabbat. Jésus aimait les pharisiens et désirait qu'eux aussi connaissent la joie du sabbat. Jésus leur posa quelques questions pour les faire réfléchir. Il leur dit, « Vous souvenez-vous de David ? Un jour, lui et ses soldats avaient si faim qu'ils mangèrent les pains spéciaux du temple qui étaient réservés pour les prêtres. » Les pharisiens connaissaient cette histoire. « Si c'était bien pour eux, alors manger les grains le sabbat l'est aussi, » ajouta Jésus. « Les gens ne devraient pas souffrir le jour du sabbat. Le sabbat est pour les gens. Je le sais puisque je suis le maître du sabbat. » Un autre sabbat, alors que Jésus était à l'église, il vit un homme qui avait la main sèche, paralysée. Jésus demanda aux gens, « Que pensez-vous ? Est-il juste de faire du bien le jour du sabbat ?» Certaines personnes pensaient que l'homme ne devait pas être guéri parce que c'était le sabbat. Alors Jésus leur posa une autre question pour les faire réfléchir. « Si l'une de vos brebis tombe dans un puits, ne l'en tirerez-vous pas ? Une personne a tellement plus de valeur qu'un animal. Il est donc juste de faire le bien le jour du sabbat. » Puis Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. » Sa main était guérie. Jésus désire que le sabbat soit un jour de joie et de guérison. Parfois, les enfants pensent que le sabbat est un jour d'interdiction. « Ne fais pas ci, ne fais pas cela. » Au contraire, le sabbat est l'occasion d'accomplir quelque chose. Le sabbat, tu as le temps de faire des choses spéciales, des choses amusantes qui t'enseignent l'amour de Dieu. Dieu a créé le sabbat pour que tu puisses passer du temps avec lui. Il veut que tu connaisses toujours plus son merveilleux amour. Coucou mon jeune ami, je suis heureuse de te retrouver pour ce moment de partage. J'espère que tu te portes bien. Voyons notre récit qui a pour titre « Développer tes talents ». Écoutons avant tout la parabole suivante. Mes frères, le royaume des cieux est comme un homme qui se prépare à partir en voyage vers un lointain pays. Il appelle à lui ses serviteurs et leur confie ses affaires. Écoutez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pendant mon absence. Je voudrais vous confier la responsabilité de ces précieuses pièces. Vous pouvez en faire ce que vous voudrez, mais lorsque je reviendrai, je ferai les comptes. Je veux qu'elles se multiplient. Je vous remercie, maître. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même. Chacun de vous m'est très cher. Vous êtes comme mes enfants. Vous allez bien me manquer. Tu sais quoi, Odd ? Si tu veux, je me ferai un plaisir de t'aider. Et moi aussi. Oh non ! Je connais trop le caractère du maître. Je ne veux pas risquer de perdre cette pièce. Non, non, pas question. Et puis d'ailleurs, je crois que je vais l'enterrer. Et tout de suite. Et quand mon maître rentrera, j'irai la déterrer. Et il pourra récupérer son cadeau. C'est le maître ! Le maître est revenu ! Mais c'est mon maître. Oh. Il est de retour.
bien le bonjour, cher Arad. Je vous souhaite la bienvenue, maître. Comment t'es-tu débrouillé avec mes 5 pièces? Maître, j'ai gagné 5 pièces supplémentaires. C'est formidable. Et vu que tu as su faire fructifier ces quelques pièces, je vais t'en confier beaucoup plus à présent. Je vous remercie, maître. Et toi, Tola, qu'as-tu fait? Vous m'avez confié 2 pièces, et aujourd'hui, je vous en rends 4. Tu as bien travaillé, mon garçon. Et à toi aussi, je confierai de plus grandes responsabilités. Ta récompense sera tout aussi grande que celle offerte à Arad. Et toi, Odd? Maître, je... J'ai eu peur de tout perdre. J'ai pensé que quoi que je fasse avec cette pièce, vous ne seriez pas satisfait de mon travail. Je l'ai donc enterrée, la voilà. Au moins, je ne l'ai pas perdue, maître. Oh, mon garçon. Tu aurais au moins pu la confier aux banques, que je puisse toucher quelque intérêt. Vous voyez, vous n'êtes jamais satisfait. Vous exigez trop de moi. J'attendais seulement que tu fasses de ton mieux. Si tu l'avais fait, tu aurais eu exactement la même récompense que les autres. Je te l'avais pourtant promis, Odd. Tiens, donne cette pièce à Arad. Je suis désolé, Odd, mais tu ne peux plus habiter ni travailler ici. Qu'avons-nous retenu? La parabole des talents nous appelle à mettre nos dons au service de Jésus. Nous perdons des bénédictions lorsque nous refusons de nous servir des talents que Dieu nous a confiés. Quelle que soit leur quantité, il faut que ces talents soient utilisés. Ne nous interrogeons pas sur le nombre des talents reçus, mais sur l'utilisation que nous en faisons. Il nous est dit dans Romains 12, le verset 6, « Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. » Notre premier devoir vis-à-vis de Dieu et de nos semblables est de développer nos facultés. Celui qui n'accroît pas ses capacités, de jour en jour, n'atteint pas le but de sa vie. En résumé, nous servons Dieu lorsque nous mettons nos talents au service des autres. Prions. Merci Seigneur pour nos talents. Que tu puisses bénir ceux qui bénéficieront de nos services et que tu nous aides à mettre nos talents à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Bonne chose a une fin. Alors, je te dis rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye. Abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.